Hey, c'est moi, je suis là. Je suis là, coucou. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Venix sur Joker. On se retrouve pour Asterix Obélix XXL pour la suite de notre aventure, épisode 12. Oui, maintenant je vais dire, je vais sûrement dire tous les chiffres, le nombre, l'épisode. Oui, Asterix, même Asterix ça monte. Parce qu'en fait, maintenant je vais essayer de. Parce qu'à chaque fois, je suis paumé dans les trucs. Donc là, on a l'épisode 12. Pour la suite et la fin de la glace. Et donc nous étions arrêtés à la fin avant la machine de guerre qui est d'ailleurs nouvelle, car je vois les épines en bas là qui sont plus tranchantes je trouve. Avant c'était des pics, là c'est plus tranchant. Donc dans la dernière partie, je vous ai montré le nouveau Obélix qui est un peu qui a envie de nager, même son brassard, je dirais. C'est un brassard, oui, c'est ça. Et donc voilà. Donc on va continuer. Nous avons trouvé la ville qu'il fallait passer. On a récupéré tous les lauriers, comme vous pouvez le voir. Et je crois qu'on va pouvoir partir sur le prochain pays parce que c'est court. Allez, YOLO. Ok, est-ce que les caisses ça donne. Alors, mince, ça donne l'argent. Ouais. Ouh la vache, la lave. Vraiment pas vu. Ah, ils sont en train de mourir par la machine. Ah, ça c'était tout aussi? Ah oui! Mais carrément. Qui enfuit, ok. Vous dégagez. Je ne peux pas passer au milieu. Bon. Ok. On va attendre qu'il y en ait qui arrive. 30 secondes parce que j'ai un problème de casque. Ok, allez, on lance. Ah, il a mangé le monde. Ah, il a fou. Ok, on va s'occuper. J'ai compris l'astuce en fait, c'est s'occuper d'abord de ceux qui sont loin. Hop, mais comme il y en a deux, du coup, ici, je pense pas que. Je vais attendre de passer de l'autre côté. Ah bah oui, regardez, c'est bien bonne mine et pas là. Rien à voir, bonne mine. Je vais pas faire de blague parce qu'après je vais me prendre un gros dislike sur la vidéo. Je sais que les blagues sont nulles. Donc comme on a compris le système du char, on va dire. J'ai un moteur. Voilà. Ok, maintenant on va passer de l'autre côté. Et le bouton il est là-bas carrément. Il est pas à côté. Oups, on reste avec lui là-bas. Je pars par raccourci. Raccourci. Oh, ça passe. Ok, ça passe. Ok, on va s'occuper d'abord de celui qui est loin. Sans tomber, merci. Du coup, regarde ces épines là, elles sont extrêmement tranchantes. Ok, on s'approche de la fin. C'est par où, le dernier, il est par là. Allez, viens, Bélix, remonte-toi. On va essayer de tomber par contre, allez hop, go. On tape. Là, du coup, il n'y avait rien de spécial pendant la grève, ça n'avait même pas de glissade. Je pensais qu'il y en aurait. Mais... En même temps, il n'y a pas de glissade parce qu'il n'y a pas de glace. Allez, et c'est fini pour toi. Ils sont tellement rapides ces boss. Ouh, prends la caméra. Allez hop, on récupère tout. Cinquante mille, et bah finalement la glace aura coûté son truc. Le bouton est là. Donc des persos libérés. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ok. Ah, alors Bellissama, vous nous avez retrouvés.
Ah, j'avais oublié. J'ai oublié que dans, dans la série Astérix. Ash Canonix et sa femme ne sont pas avec vous? Ils l'étaient! Mais il y a peu de temps, ils ont été envoyés à Genève, en Helvétie. En Helvétie? Une armée entière est venue spécialement de Rome pour les escorter. En route, Obélix! En se dépêchant, nous y serons dans 3 semaines. Tiens, voilà le morceau de marbre que j'ai ramassé quand César a cassé sa carte. Obélix, il est temps de partir! Ah, j'ai oublié que Obélix était follement amoureux de Fabala. Bon, 24 lauriers. Ou plutôt 25 du coup. Parce que quand il n'y avait pas de sauvegarde juste avant. Bon, on va passer sur la prochaine. Sur la prochaine carte qui s'appelle. Enfin, dans le prochain pays qui s'appelle En Helvétie. Pourquoi je dis en? Parce que j'ai envie. Et du coup. Waouh! Ça ressemblait pas du tout à la même carte. Mais bon, on va pas se plaindre. Donc, extra. Ah, nous avons débloqué Astérix en grec. Je pense que ça irait très bien avec les deux là. Je pense que les deux ça irait très bien. Et du coup. Ah, il ne reste encore plus que deux. 12. Il nous reste encore deux pays à faire sûrement. Mais c'est à quoi on va tester ce Astérix là. Et du coup, c'est parti pour l'Helvétie. Chargement. Ah, je suis mal mis moi. Ah, c'est bon. Alors, ça commence très bien. Un petit bonheur. C'est quoi ces Romains là? Ils ont des trucs sur la tête. Ah, ils essaient de se cacher. Non, tu sais quoi là? Attendez, c'est une potion ça? C'est une potion. Écoutez, je vais voir. Ça fait quoi ça? Oh, stylé. Mais d'abord, attendez, mais du coup, ça peut nous servir un peu, mais pas de tout. Y'a quoi là-dedans? Ah, bah voilà ce qu'il nous fallait. Allez, hop, dégage. Allez, venez en masse. Quand pour le one shot, on va pas se gâcher la vie. Ah, une potion. J'ai vu là. Bon, j'ai compris. On va faire ça. On va faire ça, j'ai compris. Allez, venez tous. Je vais chercher s'il n'y a pas une autre potion. Ah, c'est quoi ça? C'est un bâtiment? On peut rentrer? Je me demanderais. Il y a un truc là? Oui, il y a un truc. Là, il y a quoi? Il n'y a rien par là. Il n'y a rien par là. D'ailleurs, dans le 2, c'est pas la même vitesse. Hein. Quand on prend une potion, la vitesse dans le 2, elle est extrêmement lente. C'est extrêmement lent. Est-ce qu'il y a une autre potion dans le coin? Non? Il n'y a pas de potion? Il n'y a pas de potion. Ça m'a l'air bien. Dégage-toi. Ah bah si, finalement, des potions. Alors, du coup, ils sont cachés, c'est ça? Là. Oh, ouais, on peut les reconnaître facilement. Là. En fait, ils ont des trucs sur la tête. Qui, comme du coup. Lila, le dernier. Ah non? Ah, il est là. Bon, on va se catapulter. Et une chip suivante. Il y a une potion, une autre potion à gauche là, par là-bas. Et disons, c'est vachement rapide. Je croyais qu'il fallait. Moi qui pensais qu'il fallait allumer le feu. J'ai vu une TNT là. Je pensais qu'une TNT. Une bombe? Bah non, c'est vraiment marqué TNT en plus. Réponse à Minecraft. Et du coup, je pensais qu'il fallait prendre le feu extrêmement loin.
Et du coup, moi qui pensais non pas du tout. Par contre, je pensais que ça allait mettre le feu parce que du coup on est dans un champ de blé. Mais j'ai appris que le blé ne prenait pas le feu. C'est totalement faux. Il n'y avait pas un truc ici, non? Non, je fais tout. Évidemment, je me fais voir, je crois. Vous avez vu, hein? Wow. Pardon? Ah, carrément! Eh, ça devient plus critique, là. Bon, je peux perdre mon temps. Comme c'est déjà ouvert, on va accélérer. Et je dirais même, on se retrouve... on se retrouvera quand je serai retourné. Bon, je récupère les casques et puis on peut y aller. Par contre, faisons attention. Allez, allez, un poitrail, ils sont récupérés. Et une potion, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Allez, on va péter tout ça. Attendez, avant tout ça, parce que je sais que j'ai rien à faire à voir. Allez, en fait, je crois que c'est pas du tout obligatoire. Mais je veux une zone bien vide. Elle avant de tout perdre, non. Flûte. Je suis un idiot complet. J'aurais pu récupérer les casques avant de tuer l'ennemi qui me donnait rien du tout. Désolé pour ces bruitages. C'est parce que j'ai un petit peu faim, je trouve. Il y a déjà 20 minutes que je tourne et j'ai un peu faim, du coup j'ai pris des chips. Et une catapulte, j'ai vu. Allez, ça dégage. Voilà. On n'a pas plus. Mais c'est, ça fait des bruits étranges. Mais bam. Et on n'a plus de combo. Vous croyez vraiment qu'il s'est bien caché là? Pas du tout. Ah, qu'est-ce que ça me dit, attendez. Ah, attendez, regardez, c'est un panneau Thomas, travaux avec des romans. Eh, mais je suis en train de me dire, ça ressemblerait pas à la suite là qu'on avait vu dans. Comment ça s'appelle? Dans la Gaule. Quand on a libéré le panoramique, il y avait des décors derrière, avec ces espèces de routes là. Et du coup, je sais pas si. Bah, si c'est relié à la Gaule en fait, les lieux ici. Y'a quoi ici? Y'a un truc? Alors, y'a. Ok, c'est cool. Je peux retourner. J'étais en train de faire un ricochet, c'est dingue. Oui, ça va quand même. Allez! Alors. Il reste que tomber là-bas, on va préparer la zone quand même. Il crie même plus. Il veut plus. Ah non, du coup, ils font plus comme le roman, comme le deuxième a fait. Maintenant, ils font quand ils meurent. Ah, j'ai activé le pont. Sans faire exprès. Et voilà, comme d'habitude, vous savez. Ok, va falloir ramener le feu ici. Mais d'abord, j'ai cru avoir des caisses dans le coin, non? Ah non, pas du tout. Allez, c'est parti, Asterix. Récupère ça. Et on fonce. Ouf! Allez, on va activer le feu. Okay. Ah, bah ça, on le revoit là, lui. On l'avait pas vu depuis la bibliothèque d'Athènes, on l'avait pas vu. Ah bah.
voir ces bûchers. Ouais. Il faut d'abord que tu les allumes tous, si tu veux continuer et aller plus loin. Oui. Attention! Pour compliquer les choses, des Romains volants montent la garde. César est vraiment déterminé à t'empêcher de sauver tes amis. Oui, bah ça, je pense que c'était logique. Je pense qu'on s'en doutait un peu, quoi. Alors, par contre, tu as des Romains dans l'air là-bas? Dans les airs, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais ça, tout ça me dit rien qu'il va y aller. Voilà. Et hop. Hop. Peut-être de prendre sur la liste. Je pense qu'il faut d'abord libérer la zone. Hein. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est pour on va faire ça. Hein. On va libérer d'abord la zone. Bon écoute, on va essayer. Mais personne qui me suit, non c'est bon. Bon du coup comment on fait? On prend le feu et puis on les amène? Bah oui, il faut allumer. Mais du coup... Ah d'accord, ils sont là pour éteindre. Ils sont là pour éteindre, ok j'ai compris. On va faire que tu spammes du coup. Il n'y en a plus qui viennent? J'entends pas. Ah bon. Aïe. Ok. Ah, j'ai raté. Voilà. Hop, ça dégage. Ok, ok, donc. Je pense deux d'activer. Non, il vient lui. Il vient ou pas? Il va être là-bas. Ah, je pensais que ça allait marcher, dis donc. Non, ça marche pas. Active, avant de perdre tout. C'est bon? C'est bon. Eh, oula! Et on laisse activer ça, j'ai dit. Allez, ramène-toi là. Voilà. C'est bon? Il n'y a plus personne, je pense. Ah bon, et tu sais quoi? Lui, on va attendre qu'il vienne. Il va sûrement venir, voilà, il vient. Allez, dégage. Voilà. Allez. Tous et on va voir l'autre. Ah, il y a un vendeur. Ah, c'est fait automatiquement. Bravo, tu as réussi. Oh la baffe, il est bugué. C'est tout? Très bien. Alors, vendeur, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me vendre. Gabi, bouclier. Ah, nouveau combat. Oh, twister. Voilà. 75 000. Ceci est bien trop cher pour toi. Tu n'as pas assez de casque. Eh, hey, il parle. Tu n'as pas assez. Il m'avait pas dit ça. Bon, 75 000. Je crois que pendant le moment off, je prendrai quelques casques. Je rééliminerai des boss parce que je pense qu'on peut les rebattre. Parce qu'on peut rejouer à les étapes. Donc je pense qu'on pourra faire ça. Et du coup, ouais, je vais pouvoir justement... comment dire... 20 minutes, c'est bon. Je vais pouvoir rechercher des casques pour avoir le twister.
En fait, je crois que j'ai compris un truc. Dans chaque pays, il y a un combo. Oui, ça y est, alors c'est ça. Ah, une sauvegarde, ok. Bon, les gens. Avant de continuer quoi que ce soit, on va pouvoir... On va terminer la vidéo ici, là. Ça m'ira bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Ainsi que de vous abonner. Si c'est pas encore fait. À partager la vidéo si ça vous chante. Et on se retrouve pour la prochaine partie sur Pixel Let's Play. Allez, ciao tout le monde.